Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour Banjo-Kazooie. Alors plus ou moins là où je vous avais laissé pendant tout simplement la vidéo découverte, bien sûr. Et du coup, alors là j'ai presque fini le premier monde. Je suis désolé, j'avais essayé de filmer. Il y a un truc qui m'a dit non. Quand il m'a dit non, j'ai dit non. Non. Gonga en sécurité, ours, ours mon cul. Aïe. Oui, ours mon cul. Je sais pas comment je fais pour cracher des œufs. Aïe. Alors, je vais tirer dessus, mais il a l'air un peu de s'en battre quand même. Alors, regardez. Merde. C'est dur à faire, je vous jure. Attendez, on va faire comme ça. Je crois que c'est normalement je peux le faire en disant. Allez, fais de. J'arrive une fois sur 6. On va savoir pourquoi. Voilà. On se battu. Konga, moi donné prix. Ah, je suis pas bon pour tirer des œufs, quoi. Ouais, c'est pas mon truc. Mais si, je fais ça. Ça a l'air de marcher. Tintintin. Talin, talin. Donc, vous voyez, on a 7 pièces sur 10, donc ça prouve bien que vraiment. Je suis désolé, mais j'ai un peu joué, quoi. Hop, allez, c'est bon, on se casse. Oh, il y a des notes de musique. Hop, notes de musique. Alors il faut 100 notes de musique. Alors je sais pas exactement où je vous ai laissé dans la découverte. Je sais que on avait battu le singe. On a tous les petits êtres. Ok. Donc il nous manque 2 pièces de puzzle. Hop là, 85, 94. Ok, il nous manque quand même 6 pièces. Je sais pas où elles sont. Mais, alors déjà de la vie, ça c'est cool. Mais je me doute de certains trucs. Déjà, il faut casser ça. Alors. Oui, bah évidemment. Sinon c'est trop facile. Ah oui, mais si tu tires après mon ami. Un truc que j'ai pas compris. Mais quand je relâche, il refait, il se fout de ma gueule. Attendez. Normalement on peut le faire en visant. Moi je veux le faire en visant. Voilà. Et si là je fais. Attends. Non, oh, ok. C'est chiant. Voilà. On va bombarder, c'est tout ce qu'on sait faire. Allez, je sais que j'ai pas une manette de 64, mais quand même. Voilà, ça passe. Boum. Ah non, mais j'ai eu l'autre aussi. Hein. Allez, voilà. Ok, donc on a 9 pièces sur 10, ça c'est bon. On nous manque quelques notes, mais ça va passer. Ça c'est des sacs de vie, on prend, voilà. Et là, on va se transformer en fourmi. Go se transformer en fourmi. Et j'en ai 5, Ikapunga. Ah, Banjo, Agrigri. Marche sur crâne et appuie sur B pour magie, Mambo. Ok, transforme-moi en fourmi, allez. Je suis un frère fourmi avec un sac à dos. Magie de Mambo gratuit pour changer comme avant. Ok, toi revenir quand tu veux. Termite petite, mais pas mal pour premier sort. Mambo besoin entraînement. Ok. Ok, y a pas de souci. Je crois que je l'ai pas fait dans la vidéo, enfin j'espère, la termite. Et je l'ai là, donc c'est cool. Allez. Allez. Hop. Oui. Oui. Allez. Tac 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 tac. Non. Oh 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 oh.
C'est nul. Oh. Allez, on recommence. Non. Allez, on recommence. Tarde de me virer tout seul, je te remercie. On voit que je suis pas bon, hein, en soi. Allez, pousse-toi. Allez, pousse-toi. Allez, pousse-toi. Voilà, ça passe. C'est cool. Les notes, c'est les dernières. Voilà. Oh toi, où as-tu pris ce short? Je le veux. Mais laisse mon short tranquille. Tu as trouvé toutes les notes de ce monde. Bravo. Le mec est blasé de la vie de ouf. Donne-moi ton sac ou sinon... Ah, ils peuvent quand même me frapper. Alors, je pensais qu'ils me frapperaient pas parce que j'étais une termite. Mais ils veulent quand même te racketter. Je suis pas vraiment leur frère, tu vois. Ah, t'as un sac et un short. Ok. Du coup, le monde va se terminer ici. Hein, on va terminer le premier monde. Voilà. Et on va se transformer en normal. On y va. Oui. Allez, 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 oui. On a eu les 10 puzzles. Pikapunga. Boum. Et là, tu te changes en... C'est un truc pas du tout prévu. S'il vous plaît. Oui. Oui. Voilà, ça c'est fait. Bonjour monsieur, bonjour. Il faut sortir du monde quoi. Boum. Tout est fait par magie ici. La magie de Grunty t'empêche de faire sortir les notes de musique hors du monde. Mais les 100 notes que tu as récupérées comptent comme étant les meilleurs scores. Essaye de trouver les 100 notes de chaque niveau pour ainsi ouvrir toutes les portes. Ouais. Je crois qu'il fallait que je reste en fourmi, que je sorte et que j'aille chercher la note qui est en haut. Enfin, le puzzle qui est en haut. Mais ça, je le ferai plus tard. Parce que j'ai pas envie. Là, maintenant, ce que je veux faire, moi, c'est ça. Oui. Il en fallait 50. Je suis large. Ceci est une porte numérotée fermée par l'un des plus puissants sorts de Grunty. Ouvre-la, Nabo. Ce n'est pas aussi simple que ça. Pour l'ouvrir, vous devez récupérer les notes de musique dans le monde. Combien en faut-il? Le nombre affiché sur la porte vous indique la puissance du sort. Le total de toutes vos notes collectées doivent être suffisamment élevé pour briser le maléfice. Tu as ouvert la porte d'un monde. Mes sbires chez toi feront une ronde. Ton énergie est faible. Je vais arranger ça. Ok. Ah, il y a le machin qui veut de la vie. Ok, ça me manque un. Ok. Ok, donc on va là. Allez. Cette première porte, tu as forcé. Mais à la prochaine, tu seras coincé. Eh bien, c'est une... Elle est contente en tout cas. C'est... Alors, qu'est-ce que c'est que ça là? Ah oui. Ceci est un disque des super sons. Trouve-moi et je te dirai comment t'en servir certainement. Et toi, t'es vilain pas beau, boum. Oh. Allez. Qu'est-ce que tu es toi? Bonjour à vous mes amis, mon nom est Brentilda, je suis la gentille sœur de Gruntilda. Je vais vous aider à vaincre cette vieille teigne, une bonne fois pour toutes. Je connais tous les secrets de Gruntilda, je vous en dirai trois à chaque fois que vous me trouverez. Notez bien mes paroles, mes petits poussins, elles vous aideront à remporter la victoire. Appuyez sur B pour m'interroger. Grunty se brosse les dents avec du dentifrice au fromage qui pue. Elle se lave les cheveux avec de l'huile de vidange. Ben. Et ses habits proviennent de la décharge municipale. C'est vachement utile. En gros, t'es en train de clasher ta sœur et puis c'est tout.
Pour ôter les pièces sur le tableau, appuie sur C bas. Une fois le tableau complété, les pièces seront à jamais coincées. Et t'inquiète, je les coince. Le trésor de Cobweb. Donc ceci est un monde. Très bien. Ok. Ok, ok, ok. Tiens, vilaine sorcière. Allez, on y va. Ah oui, parce que là, il y a un autre monde. Bon, on va déjà vers le trésor de... je sais plus quoi. Oui, j'ai peu retenu le nom. Trofko. On s'en fout. On s'en fout. Tout ce qu'on veut savoir, c'est y aller. J'ai presque envie d'aller là-dedans, juste pour savoir ce que ça fait. Oui, je vais y aller. Je le mets ici, c'est fermé. Ici. Oui, où suis-je? Aïe. Ah, je suis vilain. Oh, il y a la marmite. Bonjour, marmite. Tu viens d'activer un chaudron magique. Trouve un chaudron de la même couleur pour se téléporter, je me dis. Pour créer un raccourci. Ah, il y a la magie de Mambo. Kabonka. Ok. Je puis peut-être, mais je suis cool. Et ta gueule. Voilà. Ferme-la par contre. Physiquement, ferme-la. Et là, il nage. Il nage au KLM. Il nage. Boum. Oh. Vas-y, allez. Fais apparaître l'oiseau. Mais... voilà. Oh. Il faut combien de notes ici? 180 notes. Plus de notes, il te faut trouver. Pour qu'un jour, tu puisses passer. Ferme-la. Ok, 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 ok. J'ai la flemme d'aller dans l'eau, je vous avoue. Donc on va aller là. Bonjour, 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 bonjour. Je suis sûr que je peux rentrer dedans. Voilà, je peux rentrer dedans. Non, d'accord. Attends, attends, vas-y, vas-y, vas-y. Ah! J'étais trop fier de moi et en fait pas du tout. Jeune homme, qu'est-ce qui a deux pouces et qui s'en tape? Je pensais que je pouvais genre l'activer, mais non. Ok. On s'en fout alors. On va dans le trésor. Il y a un truc derrière, je suis sûr, il y a un truc derrière. Mais y'a rien, vas-y, je cherche des trucs cachés, y'a jamais rien, c'est pas marrant. Allez, on voit le coffre. Salut Matelot, voici la baie du trésor, deux nouveaux mouvements t'y attendent. Vas-y, vas-y, fais ton malin. Même le dîner des snackers est prêt. Fais ton malin, fais ton malin. D'abord, je... voilà, je tue lui et après je te tue toi. Vas-y, je te tue toi, mec. Je te tue toi. Attends, 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 je me suis planté de touche. Oui, mais la caméra, elle fait un peu ce qu'elle veut aussi, mon frère. T'as de la chance. En vrai, je te défonce. Vas-y, vas-y, non, mais reviens. Voilà. J'ai pas réussi. Yeah. Je vais y arriver un moment. Vas-y, vas-y. Vas-y, reviens. Vas-y, je vais te mettre KO. J'ai pas deux ou quoi? Oh, vas-y, il a tiré après. Oh là 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 là. Ça marche bien cette touche. Boum! Tu vas faire quoi? Je t'ai fait bouffer mes œufs, moi! Vas-y, reviens! Reviens, fais pas ta pute! Je suis sûr que je peux te mettre KO comme ça. Merde! Non! Non! Je vais mourir comme ça! Je vois rien! Oh, la manette s'est déconnectée! Et quel con! Pour ça! Non, reviens! J'allais te tirer des œufs dans la gueule! J'aime pas du tout l'endroit où est la caméra! Non mais oh, je vais y arriver, je vais y arriver. Boum, tu vas faire quoi? Je te maltraite. Maltraitance.
Non, il a disparu devant mes œufs. Sûr, je peux le tuer avec des œufs comme ça. Bah oui, mais si. Ah, je suis tombé. Tant pis. Boum. Oh. C'était calculé. Ok. Hop. Ling. C'est comme ça que je passe d'une plateforme à l'autre. Allez. Je suis une plume rouge. Si Kazooie apprend à m'utiliser, elle pourra alors voler. Ah bah oui, c'est vrai que quand on a des plumes, on vole mieux. Moi je le dis tous les jours. Quand t'as des plumes, tu voles mieux. Et la première pièce du deuxième monde. Alors lui a forcément un truc, voilà, c'est sûr. Aïe. Hop, je saute dedans. Je sais pas du tout pourquoi la caméra s'est activée, je vais pas vous mentir. Voilà. Hop, allez, je me casse. Oh, l'esquive, tu vas faire quoi? Toi, je t'emmerde. Oh, tu me suivais et tout, et moi, j'en ai rien eu à foutre, quoi. C'était sale. Ah non, ça, c'est chiant. Ouais, voilà. Ah, oui, mais c'est parce qu'en fait, c'était... Voilà, c'était calculé. Mais oui, c'est clair. Ouais, c'était calculé, les gars. Ouais, des fois, je fais semblant de mal jouer, mais en fait, c'est calculé. Et ça va être bientôt la fin. Il reste environ 50 secondes d'enregistrement. Comment vous dire Ah non, bah oui, bah ça aussi c'était calculé. C'était pour faire venir le requin, ça me paraît évident. Sinon le requin après il s'ennuie, tout, il joue pas. Du coup, je vais vous laisser. J'espère que vous aurez apprécié, liker, commenter, partager cette vidéo même, hein, peut-être. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Allez, salut.